Bonjour, Jean-François Flock, j'ai 44 ans, je suis de formation UTBM, promotion 93-95, filière génie informatique, option ILC, ingénierie de logiciels et de la connaissance. Quand j'ai quitté l'UTBM, quand j'ai été promu, je suis parti en coopération service national en Afrique noire au Bénin, dans une société d'aménagement du territoire pour travailler sur l'imposition. Alors après, j'ai intégré Orange, le groupe Orange, où j'ai rejoint d'abord la partie innovation, qui s'appelait à l'époque le CNET, le Centre national des études télécommunications, dans lequel j'ai occupé trois postes. J'ai été concepteur-développeur, puis chef de projet. Et enfin, j'ai été responsable d'une équipe de recherche et développement d'une vingtaine de personnes. En 2010, j'ai fait le choix de partir à l'opérationnel, donc de faire un 180 degrés, en rejoignant donc une unité opérationnelle, une des plus grosses unités opérationnelles en France, sont les unités d'intervention. J'ai eu l'occasion d'occuper trois postes, deux postes de directeur opérationnel et le poste de directeur de l'unité opérationnelle. C'est un pilotage de 1000 personnes avec un budget conséquent de 70 millions d'euros où on pilote la stratégie avec un comité de direction. Aujourd'hui, j'ai quitté cette unité opérationnelle pour rejoindre la direction métier qui pilote ces 27 unités opérationnelles. On est en charge d'élaborer la stratégie. Le terrain de jeu est beaucoup plus gros, plus de 20 000 personnes pour un budget qui dépasse les 2 milliards de fonctionnement. Alors ce que j'ai beaucoup aimé à l'UTBM, c'est la richesse du parcours, c'est à la fois ses unités de valeur sur la filière elle-même et puis cette possibilité de se faire son catalogue d'UV et de se faire une formation à la carte. Et ça, je trouve, ça apporte une richesse, une ouverture d'esprit. Et moi, je l'ai beaucoup retrouvé dans les jeunes que j'ai embauchés, soit quand j'étais à R&D, soit même dans les unités opérationnelles, cette capacité de s'adapter, d'être agile. Et c'est ce qu'on demande maintenant aux jeunes. Alors, si j'avais un conseil à donner aux jeunes ingénieurs, c'est vraiment de profiter de la richesse du parcours de l'UTBM, d'aller faire des stages à l'étranger pour développer l'aspect multiculturel et profiter par exemple des très beaux programmes qu'on a dans les grandes entreprises, je pense à Orange Graduate Programme, qui valorise ces parcours très riches et qui permettent derrière de profiter de parcours professionnels très accompagnés chez Orange.